Yeah, got me in this party all up in the zone. Hottest Betty's trying to take away my cell phone. Like come and party, I've been trying to shake you off my mind. Donc aujourd'hui actuellement à l'aéroport avec la cousine, Sissi, la famille. Et ben voilà ma chérie, ok. Et ben chérie, nous allons partir ensemble en France. Hein? On va embarquer à, au moins avant 7h15. Ça commence à 6h30 l'entrée. Mais bon, on dirait que ça commence maintenant. Ouais, papa. T'as aussi fait son caméraman. Maman. Bon, ben voilà quoi. Tonton et la tati. Bonjour bébé, attendez pas. Et ben voilà, ouais, mon vieux, mon papy. Puis, t'as quelque chose à dire? T'as quelque chose à dire? Eh, n'a pas fait toito. Eh, dis mais fait toito. Grand fait toito à toi. Ah, merci tonton. À vous deux. Et je vais aussi vous profiter à montrer mon nouveau drapeau. Ben, ce sera une nouvelle décoration de ma nouvelle pièce de YouTube, ma chambre de YouTube. Quoi. Motion. Woo! Donc là, nous sommes avec Ryan du 987. Le petit cousin qui, enfin, que dis-je, le frère qui a fait la petite vidéo. Vous vous souvenez où on faisait quoi déjà? Le défi de se faire brosser les dents par un autre. Yo, est-ce que t'es prêt à relever ce défi? Prêt, je suis prêt. Bon, là il est 6h20, je pense qu'on va bientôt aussi partir. On doit être dans l'avion au moins avant 7h15 les amis. Vous avez compris? Ok, le reste de la famille vient de nous rejoindre. Là on est au complet. Enfin, complétie. Putain, c'est chiant, il n'y aura pas de poune poitro comme à Tahiti, il n'y aura pas de soupe bleue. Ah, mais bon, j'ai fait les courses, une valise spécialement que pour la nourriture de Tahiti. Bon ben, je pense que là, ça va être bientôt mon départ. Il est actuellement 1er septembre, vendredi à 6h30. Exactement. Quelqu'un s'est incrusté dans ma vidéo. Ah non, je blague. Bon ben voilà quoi, je suis pas aussi coiffé de bon. Donc, tout le monde est en train de me regarder aussi. Bon ben, il n'a plus qu'à attendre, hein? Il n'a plus ça à faire. C'est toi? Je tiens au courant, hein? Hein? C'est toi, c'est toi, hein? Ouais, c'est toi, on va s'appeler, ben. Ok, on s'appelle. Bisous, maman. Ouais, non, ça va aller. Bon ben là nous venons de passer aux au revoir. Je pense que moi et Chérie nous allons pas tarder à partir. Nana Tahiti. Enfin arrivé à la salle quoi. Attends. Je sais pas comment on dit. Bon ben nous allons bientôt partir, hein. Il n'y a plus qu'à attendre bébé. C'est ça? Ouais. Ben on attend la grosse queue là parce que... La grosse queue? Parle de moi. Bon ok, ben on attend la grosse queue. Et quelque chose à dire? Non, non, non. Ok, ben, tchou, à plus. Bon, allez, t'as fait, non? C'est grand l'avion. Non, c'est l'avion. Hein? L'avion. Bon, ben là, je pense que je vais partir sur un gros volet pour la première fois. Bon, ben, on va. Ben, tu méga le truc, hein? Méga, puis le. Ça, le truc, comment sur internet, sa mère. Ça, les gens qui meurent, là, ça met dedans. Hein? C'est gros l'avion. Hein? Non, mais c'est l'heure où on va se placer. Et mais ça, on a des trucs de jus, hein? Yeah, regarde le cabinet. Ben voilà le cabinet. Hein? C'est où? Pardon? Salut. C'est Cécile. Salut.
Ouais. Ah, il y a même les coussins. Hein. C'est cool. Drop. Là, on va vous montrer le parcours qu'on vient de faire. Papeïté, Lax, en France. Les crampes aux fesses. Et attendez, j'ai pété. Et en plus, c'était au moment où ça sentait les œufs pourris. Hein, bébé? Hein? Comme j'avais pété tout à l'heure, ça sentait le pourri, les œufs pourris. Plein de bagages. Transi ou Paris. Salut les gens, donc là nous sommes dans la salle d'attente, c'est ça hein? Salut, ben, on attend l'embarquement pour le direction Paris. Voilà quoi, on du attend l'embarquement. Attends, mais vous vous rendez compte, je suis à LA. C'est la première fois que je vois des choses en grand. Ouais. Mais attends, regarde les magasins de classe. C'est quoi, c'est Hugo Boss? Bon ben, ça soit que c'est pas pour nous quoi. Bon ben là, je sais pas c'est quoi, c'est... Ah, il y a aussi Porsche Design. Ah. Bon ben c'est tout hein. Les filles Lancôme, viens chérie. C'est de ça on parle hein. C'est joli en vrai. Ouais, c'est joli, c'est magnifique. Si hein, vous étiez à ma place, ça c'est sûr, il y aura des gens qui vont dire hein. Ah ben moi je suis déjà venu là. Ah, mais... Quoi que c'est la première fois que je viens là, c'est cool, c'est super. Taïchen on LA. Les autres m'ont dit, les autres doivent dire, putain, c'est qui ce con là qui se file. Ouais, mais bé, tu me dis, regarde la veste, mais tu n'as pas dit, regarde le prix. Non, regarde. Non, mais c'est cher. Regarde. Ah, chérie. Ah ouais. Les filles et Moyen-Âge. Les filles ancien Moyen-Âge du temps de la mort. Moins cher que sur le marché, mais c'est quand même cher parce que c'est que des produits de marque. Ah, c'est là les parfums. Victoria's Secret. Pourquoi c'est cher? C'est aussi cher que ça. Bon, ben, messieurs, dames, si vous voulez boire un petit coup, c'est par ici. Unlike Good Vibration. Je blague. Ah, le bookstore. Bon, ben, les gens, je crois que nous n'allons pas aussi tellement tarder à partir. J'ai oublié de vous dire, on se voit à Paris. Oh, les cheveux jaunes qui tuent sa mère. J'ai carrément la dalle. Donc là, on est enfin arrivé dans l'avion pour le deuxième round du voyage. Pour 11-12 heures de voyage. Peace les gens, peace dans le cabinet. Ah non, c'est peace and love. Ah, je fais mon regard de beau gosse. Je t'aime, mon amour. Mon amour. Nous voilà enfin arrivés à Paris. Donc comme on a dit, nous aurons 2 heures de pause à l'aéroport Charles de Gaulle de Paris. Et ensuite, ben, nous partons encore pour le. Nous allons partir encore pour une heure d'avion. Voilà. Bon ben comme vous voyez, nous sommes à l'hôtel Biscombe. Non, je blague. Ben, on est toujours à l'aéroport de Paris. Je pense que c'est un coin de repos. Ah chérie. Mm-hmm. Mes gars aussi les lits, hein. Ça fait effet vieux. Ouais. Donc là actuellement dans l'avion qui part vers Montpellier. Enfin, la dernière, avant-dernière ligne droite. Actuellement 6h46 à l'heure locale et il fait toujours jour. On dirait que j'ai fait un truc de journal. Enfin, on est arrivé à Montpellier City. Hein? Bon, ben, il ne reste plus qu'à attendre nos valises. Veuillez patienter vos valises. Ah, on est là-bas. Hey, c'est bon, tout est au complet. Bon, ben là, nous allons sortir de l'aéroport de Montpellier. Les gens qui me regardent. Arrivé
enfin dans le bus. Donc là, comme vous voyez, nous sommes arrivés dans le bus. Il explique qu'à partir, après c'est bon. Bon ben, là, enfin arrivé dans le tram. Nous venons d'arriver dans la patte de la copine de ma copine, qui est mon ennemi. La copine de ma copine. Ben, nous sommes dans sa chambre d'ailleurs, on la remercie très fortement. Merci beaucoup pour ton appartement parce que ça nous aide beaucoup. Sabi. On est propre là, ça fait du bien parce que durant notre trajet. Bon, ben là, il n'y a pas longtemps, on s'est installé. On s'est baigné de la tête jusqu'aux pieds. Ça fait du bien d'être propre parce que, ça fait combien, 23 heures que j'avais les boules, hein, tu vois, sous les boules, il y avait du monde-œil. Le monde-œil à Tahiti, ben, c'est un genre de truc qui glisse, mais sauf que là... C'est l'huile. Ah ouais, c'est de l'huile tout court. Bon, ben là, ben, nous sommes bien arrivés à Montpellier pour nous pas trouver les pattes. Les Tahitiens savent. Bon, donc là, comme vous voyez, c'est comme je suis arrivé, ça veut dire ouais, c'est la fin de la vidéo. Et ben, merci déjà de m'avoir suivi dans ce tout petit parcours de vlog. La constatation de mon premier vol plus loin que Huarine, ça a été sympa. Mais sauf que quand on était dans l'avion, ça faisait mal au cul, j'avais mal au nez. Et attends, j'ai pété les œufs pourris. En plus, à côté chéri, il y avait un papy, tu vois, et puis quand il regarde. Hein? Donc, tu vois comment il était le vieux. Tiens, comment on a l'éclairage? Comment ça va? Ça va bien, la famille, c'est la famille. Bref, en gros, on est bien arrivé à Montpellier. On est là, posé là. Je vais commencer de suite le montage. Là, il est minuit en France. Minuit, ben dimanche, ouais. Hein? Bon, ben là, on est le minuit du samedi. Comment on dit déjà? Minuit du samedi. Dimanche, minuit 1. Ben là, il est exactement dimanche minuit. Mais voilà, on mange à minuit. Hein? Il est minuit 1, donc maintenant on est dimanche. Il est minuit 1, donc maintenant il est dimanche. Ben, sur ce, je vais vous laisser. C'était Taïchen pour vous servir. Mu. Je ne sais pas pourquoi je dis mu, ça fait mu. Allez, ciao, bambino.